Nous serons toujours aux côtés de la direction générale pour apporter tout le soutien matériel, moral, technique nécessaire à la bonne conduite des opérations de relance du quotidien national Orea. L'agenda du chef de l'État est très chargé, donc je ne vais pas garder le micro très longtemps. Je voudrais encore une fois le remercier au nom de l'ensemble du personnel du ministère de l'Information et de la Communication pour son déplacement, pour son soutien, pour son attachement à la culture guinéenne et pour son attachement à notre patrimoine historique. Vive le président de la République, vive le journal national Orea, je vous remercie. Votre ministre va se plaindre, j'ai pas assez d'argent dans mon budget. Parce qu'il ne veut pas vous donner. Donc, moi je vais vous donner à partir de mon budget souverain, le budget du souverain. Et non, pas seulement Orea, mais l'HP aussi. Sinon, Ben Daouda va passer son temps à me bombarder des SMS. Et tous les jours après le chien, quand je me lève, il y a 10 SMS de Ben Daouda. Alors, comme il y a ma maman et Kassoubela m'a bousculé, nous allons donner 1 milliard et une pick-up à Orea. Et 1 milliard et une pick-up à l'AGP. Mais il y a une condition. Il faut que désormais ils soient à la hauteur, qu'ils disent qu'on n'a pas d'argent. Le Nord n'est pas bien sorti, l'AGP n'est pas bien sorti. Alors, s'ils remplissent ces conditions, il y aura d'autres qui viendront dans le panier. Mais ça d'abord, il faut montrer d'abord qu'ils méritent qu'on leur a donné. Et parce que quand même, il faut qu'on donne les moyens à la presse nationale d'être à la hauteur de son rôle et d'informer les populations de façon objective, sans prise parti, mais de façon objective en disant la vérité. C'est ça leur rôle, parce que les journalistes doivent servir à l'éducation des populations. Surtout que 70% de la population est jeune, ils ne connaissent pas l'histoire de la Guinée, ils ne connaissent pas le passé. Donc, c'est les journaux. Ça veut dire que vous devez bien tenir vos archives pour que les étudiants qui veulent faire des thèses puissent venir les consulter sans difficulté. Mais le mieux, c'est de numériser. Parce que nous sommes à l'époque de nouvelles technologies. Il faut que Ben Daouda, les directeurs, apprennent à se moderniser et qu'ils soient numérisés. Comme ça, au moins, on n'a plus besoin de venir chercher des papiers ou qui sont bouffés par les souris. Mais au moins, n'importe qui peut, à travers son téléphone, avoir accès aux archives. Parce que quand vous numérisez, c'est aussi avoir un site pour que quiconque veut consulter ne soit pas obligé de se déplacer, mais qu'il puisse consulter. Monsieur le ministre, comme vous êtes jeune, vous êtes dans la nouvelle technologie. Et pour amener vos grands frères qui sont un peu dépassés, comme... parce qu'on m'a dit que Abel devait avoir l'horloge. Je dis, ma conclusion, c'est ça. Quelle est une tâche, à vous l'horloge. Donc, Brin n'a voulu ça faire pour moi. Vous savez, Ben Daouda, Fodé, Sidla, et Serge, on a une longue histoire. Mais ça, c'est entre nous. Mais nous avons une longue histoire. Commune. Et je peux dire qu'ils m'ont accompagné malgré les difficultés, malgré les représailles, etc. Ils m'ont accompagné. Mais Ben Daouda exagère un peu, mais bon, pas de SMS. Pour lui dire, maintenant qu'il donnait de l'argent, de ne plus me fatiguer, monsieur le ministre, des SMS. Donc, je félicite tous les journalistes de Orea et de l'AGP. Et je vous souhaite longue vie, bonne chance surtout. Je souhaite que votre journal et l'agence soient à la hauteur de ce que les populations peuvent attendre. Merci.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Quel sentiment vous anime? Bon, aujourd'hui, j'ai deux sentiments. Mmh. Le premier sentiment, c'est celui de la joie qui accompagne toute célébration. Mmh. Mais de l'autre côté, je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, on n'y a pas de l'air. Pour avoir passé toute ma vie professionnelle, la plupart ici à Oroya, j'ai connu Oroya par le passé, et aujourd'hui son état actuel ne peut pas honorer quelque chose. C'est pourquoi je me dis que nous avons beaucoup de défis devant nous, des défis à lever, pour vraiment mettre Oroya en avant. Et quels sont ces défis, par exemple? Ces défis, c'est régler la question d'un premier, régler la question d'un temps, régler la pression de parution pour que Oroya soit un quotidien au sens réel du terme. Et quel appel vous avez à lancer à vos collaborateurs? Mes collaborateurs, c'est de jeter à l'eau. On retrouve les matchs, on se jette à l'eau parce que nous devons gagner. C'est cet appel que je veux lancer. C'est que chacun se sente mobilisé à partir de maintenant parce que le geste du président est un défi. Je vous donne et je vais voir si vous êtes capable. Et ce défi, nous allons le faire. Merci, monsieur le directeur.